Bonjour Roberto Di Cosmo, vous êtes enseignant et chercheur en informatique et vous pilotez le projet Software Heritage qui est d'ailleurs présenté au Paris Open Source Summit aujourd'hui et demain. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet, sa genèse et voir où on en est à peu près ? Oui, tout à fait. Donc la mission des Software Heritage, qui est un projet qui est né il y a environ 4 ans, est de vraiment collecter tous les logiciels, tous les codes sources de tous les logiciels qui n'ont jamais été écrits, les préserver, s'assurer qu'on ne les perd pas et les rendre plus facilement accessibles. Alors comment on est arrivé à mettre en place ces projets ? Il faut savoir qu'il y a environ 4 ans, on s'intéressait dans notre activité de recherche à faire des analyses massives des codes. Donc on a plein de logiciels libres qui sont disponibles aujourd'hui, donc on peut imaginer de les analyser, de les étudier, d'étudier les dépendances, plein de choses intéressantes qui fascinent les chercheurs. Et au moment où on a commencé à faire ces travaux, on s'était posé la question de dire mais comment on va faire pour faire cette analyse sur tous les logiciels qui n'ont jamais été écrits. Et là, on a commencé à chercher. Et on n'a pas trouvé. Il n'y avait pas un endroit dans lequel vraiment on aurait trouvé tous les logiciels et tous les codes sources qui avaient été écrits par l'humanité, alors que c'est un patrimoine essentiel de notre culture scientifique et technologique. Et là, si vous voulez, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi préserver des codes sources des logiciels. Tout à fait, j'allais vous le demander. Parce qu'après tout, la plupart des personnes, ils connaissent les logiciels, ils utilisent, sont sur leur téléphone, ça permet d'envoyer des jolis messages, des petits cœurs, de dire je t'aime beaucoup, des choses comme ça, faire des achats, regarder des vidéos. Mais les codes sources, la plupart des personnes n'ont jamais entendu parler. Il faut savoir que les logiciels, ils ne tombent pas du ciel, donc ils sont écrits par des développeurs qui écrivent, c'est vraiment les termes qu'on utilise, hein, donc écrire ces logiciels, on les écrit en utilisant ce qu'on appelle des langages de programmation. C'est comment on peut faire de la littérature. C'est de la littérature du 21e siècle, hein, donc on écrit des logiciels comme ça. Et ces logiciels contiennent vraiment la connaissance scientifique et technique qui est embarquée, qui est après exécutée par le logiciel exécutable. Et la particularité de ces logiciels, c'est qu'ils sont faits pour que d'autres personnes puissent les relire. Cette autre personne peut être les mêmes développeurs 2 semaines après qu'il faut qu'ils reviennent voir s'il y avait un problème, comment les modifier, comment l'adapter. Et donc, ils ont un avantage énorme, c'est qu'effectivement, on peut même les relire, même si la machine sur laquelle ils peuvent être exécutés n'existe plus. C'est comme ça que, par exemple, on a archivé dans Software Heritage les codes sources du système de contrôle et de guidage de l'Apollo 11, qui faisait 60 000 lignes de code, et dans les années 60, piloté par une des femmes phares de l'informatique, Margaret Hamilton, nous a permis d'envoyer les premiers hommes sur la Lune. Oui. Est-ce que c'est un des premiers codes que vous ayez retrouvé ? Non, on a encore un peu plus ancien, mais disons que parmi les anciens, c'est les plus symbolique, c'est-à-dire celui qui porte plus des charges émotionnelles que toute la planète. Je me rappelle, moi j'étais très jeune à l'époque, j'avais 6 ans, mais on est tous scotchés devant cette télé en noir et blanc à regarder quelqu'un qui mettait un pied sur la Lune. Et sans les logiciels, on ne serait jamais arrivé là. Donc c'est très important de pouvoir voir comment on a développé tout ça. Mais par exemple, on trouve aussi les codes sources des premiers jeux vidéo en 3 dimensions, les ancêtres du Call of Duty qui occupent trop de temps de nos enfants. Ou alors les codes sources des mosaïques, qui a été les logiciels qui a popularisé les webs au moment des années 90, au moment vraiment c'est devenu une explosion exponentielle d'utilisateurs sur la planète. Mais ce n'est pas seulement les logiciels anciens qui nous intéressent, c'est aussi et surtout les logiciels qui sont développés tous les jours aujourd'hui. Parce que notre objectif, c'est de construire une infrastructure qui va permettre de faire en sorte que quand un développeur sur la planète, à n'importe quel endroit, écrit quelques lignes de code et les met à disposition, que ces lignes de code se retrouvent très rapidement dans Software Heritage qui va devenir d'une certaine façon un énorme grand télescope pour explorer la galaxie du développement logiciel et découvrir plein de choses intéressantes. Et actuellement, vous avez collecté combien de lignes de code ? Si vous voulez, donc on a des chiffres qui donnent un peu le mal des têtes, parce qu'effectivement, on a identifié plus de 83 millions d'origines logicielles, c'est d'endroits duquel on peut retrouver des projets. Alors, les vrais projets, il y en a moins, parce que vous savez, dans les mondes logiciels libres en particulier, on copie pas mal, on fait des forks, comme on dit chez nous, on met des variantes. Mais disons quand même, c'est des dizaines et dizaines de millions de logiciels. Et on a retrouvé dedans plus de 5 milliards de fichiers sources uniques, ce qui fait quand même des centaines de milliards de lignes de code écrites par les êtres humains depuis qu'on a commencé. Alors, ce n'est pas tout, parce qu'il y a plein de logiciels, il faut encore aller chercher, mais ça commence à faire une bonne partie. Et là, notre objectif, c'est de mettre en place une infrastructure qui permette aux gens qui ont envie de contribuer de venir nous aider à collecter plus de logiciels, à ajouter plus d'adaptateurs dans l'infrastructure pour aller collecter les logiciels qui sont ailleurs.
et de pouvoir les utiliser pour améliorer la qualité du code, pour comprendre mieux comment les utiliser. Et oui, juste ce matin, j'étais au ministère de la Recherche dans les journées nationales pour la science ouverte. La science ouverte, c'est un grand mouvement aujourd'hui qui essaie de rendre disponibles à tous les résultats de la science, aussi pour donner confiance à nos concitoyens dans les résultats scientifiques. Si on leur dit qu'il y a un certain résultat, je ne sais pas, moi, le réchauffement climatique, on ne leur donne pas accès aux résultats scientifiques qui prouvent les résultats, pourquoi on devait croire aux chercheurs? C'est un argument d'autorité, même ça fait longtemps. Avec les résultats, parfois, on n'y croit pas, voilà. N'est-ce pas? Donc, c'est mieux d'avoir accès à tout. Et là, les sujets de la discussion étaient... sensibiliser nos collègues et les autorités sur l'importance que les codes sources des logiciels de recherche soient aussi archivés et mis à disposition. Et justement, au niveau de la population scientifique, comment ça se passe? Est-ce que les chercheurs sont volontaires pour partager leurs codes, enfin leurs recherches, ou est-ce qu'il y a un frein? Comment ça... Ah, vous savez, c'est très varié. Il y a autant de religions qu'il y a des disciplines scientifiques, des petites chapelles à l'intérieur. Mais moi, ce que je trouve, c'est que les plus jeunes générations, c'est-à-dire nos chercheurs les plus jeunes, ils sont les plus ouverts, les plus intéressés à partager parce qu'ils sont déjà nés, ils ont déjà né et absorbé les valeurs d'une époque dans laquelle les logiciels libres, les logiciels open source leur permet d'avancer énormément dans leurs résultats sans avoir à tout réécrire. Donc ils sont le plus ouverts à faire ça, mais c'est important de fournir une infrastructure unique qui les soutienne. Et là, je suis ravi de dire que dans les plans nationaux pour la science ouverte qui a été annoncé par la ministre le 4 juillet, je pense qu'elle va être mentionnée ici aussi, Software Heritage, qui est notre infrastructure, est mentionné comme un des axes stratégiques pour la science ouverte en France, et pas seulement en France, mais au niveau international. Quelles sont les prochaines étapes pour Software Heritage? Mais alors, vous voyez, Software Heritage est un projet qui est vraiment à long terme. Ça s'inscrit dans les longs termes, c'est la construction de l'infrastructure internationale au service de tous. Donc pour ça, on a structuré les projets en trois phases majeures. Donc première phase dans laquelle on développe un prototype sans trop en parler, parce que vous savez, je viens du monde du logiciel libre, on est très habitué à voir des gens qui arrivent avec des idées, qui disent « il n'y a qu'à, faucon, allez-y, c'est très gentil, montrez-nous les codes », on dit, c'est-à-dire montrez-nous que vous avez fait quelque chose. Donc d'abord, on a travaillé pour montrer ce qu'on fait. Donc maintenant qu'on a ouvert l'archive, qu'on a montré à tout le monde ce qu'on est capable de faire, là, on passe de la phase, disons, initiale des constructions à une phase de croissance dans laquelle il faut qu'on attire plus en plus des contributeurs, plus des donateurs, plus des mécènes, plus des partenaires à travailler sur les projets. Parce que c'est la création d'une fondation, d'une structuration autour d'une fondation internationale qui nous intéresse. Et au bout de cette phase de construction, il y a une phase finale qui sera sur le long terme, au moment où il y aura une fondation indépendante avec des partenaires internationaux dont la seule et unique mission va être de préserver ces biens communs qui est les codes sources des logiciels développés par l'humanité. Alors là, pour l'instant, vous en êtes à quelle étape? Vous avez des partenaires internationaux? Oui, donc vous voyez, pour faire vivre les projets, pour moi, ce qui est très important, c'est avoir une très grande variété de partenaires et des sponsors à tous les niveaux. Je suis ravi d'avoir vu qu'un certain nombre de grands acteurs de l'informatique, comme Intel, comme GitHub, comme Microsoft, se sont bougés. Là, on a été rejoints aussi avec une petite participation par Google. Mais il est aussi important d'avoir des institutions internationales, d'avoir des universités, d'avoir des ministères, d'avoir des mécènes, des donateurs individuels. On a ouvert les portes pour que tout le monde puisse monter à bord vraiment. Et là, on avance petit à petit. Donc, on a déjà une dizaine de partenaires et des sponsors différents. On travaille avec certaines entreprises. Donc, par exemple, on travaille avec Quant pour développer des moteurs de recherche à l'intérieur des codes sources qu'on a collectés. Donc c'est un long travail, on n'est pas du tout arrivé à la fin, mais disons qu'on est bien avancé. Et j'aimerais bien, effectivement, si je peux lancer un petit appel. Je vous en prie. Disons aux entreprises françaises. Donc j'ai remercié énormément la Société Générale d'avoir été un des premiers à comprendre l'importance de ce qu'on fait et de venir à nos côtés. Mais j'attends vraiment beaucoup d'autres qui ne sont toujours pas présents, alors qu'ils sont des grands utilisateurs, développeurs, consommateurs des logiciels. C'est une mission de tout le monde. Vous pensez qu'il y a un manque de compréhension par rapport à notre héritage, justement, enfin, à notre héritage informatique, que les sociétés n'ont pas encore conscience? Parce que c'est vrai que le code, c'est moins palpable qu'un livre ou qu'une œuvre d'art. Donc, ils n'ont pas encore compris l'importance de ce musée, parce que, en fait, virtuel. Le code est assez récent. On peut comparer ça à... Est-ce que quelqu'un aurait construit une bibliothèque avant que les gens arrivent à lire? Vous savez, déjà, les bibliothèques publiques, c'est Thomas Jefferson de 1790, donc ce n'est pas si récent que ça.
Et pour les codes, ça ne fait qu'un demi-siècle qu'on y travaille. Donc c'est normal qu'il y ait un petit peu de retard à l'allumage. Mais maintenant, on commence à prendre la programmation dans les écoles. On commence à s'y rendre compte que le logiciel est important un peu partout. Donc c'est très important de contribuer à cette infrastructure qui, en réalité, pose les bases pour un meilleur développement technologique pour les futurs. Et donc, oui, il y a un devoir d'explication, mais il y a aussi les besoins d'une prise de conscience des différents acteurs sur les faits que c'est très important et c'est très intéressant de participer à un projet de cette nature qui naît en France et qui a immédiatement une visibilité internationale. Il n'y en a pas tellement, donc il faut quand même en profiter. On va vous souhaiter bonne chance pour 2019 et puis de collecter encore plein de codes. Absolument. Merci et on beaucoup. Va faire ça en partenariat avec l'UNESCO et grâce au soutien de l'INRIA qui est déjà là. Merci beaucoup, Monsieur Di Cosmo.